Nous sommes ici à la médiathèque Maurice Genevoix, donc avec l'œuvre de Pierre Bismuth, puisque cette médiathèque accueille en avant-première une des œuvres de l'exposition Rencontres inattendues. Il s'agit ici d'une peinture murale qui s'appelle Following in the Right Hand of Lorraine Bacall in Quai Largo. Ça veut dire en anglais tout simplement que l'artiste Pierre Bismuth a repris en fait le mouvement de la main droite de l'actrice Lorraine Bacall dans le film Quai Largo qui date de 1949. Donc à l'aide d'un marqueur, il a suivi le trait en projetant sur une plaque de plexiglas le film. Donc ici, à chaque fois, avec cette œuvre, eh bien, nous la recréons à chaque fois puisqu'elle est peinte et donc elle reste quelques mois dans un lieu et ensuite elle est recouverte. Cette œuvre est une des œuvres de l'exposition qui se tiendra d'octobre aux vacances de Noël dans différents lieux du quotidien en fait, de Paris, donc des mairies, des centres d'animation aussi et d'autres lieux culturels que des bibliothèques. Donc c'est 80 œuvres dans 50 lieux et cette exposition s'appelle « Rencontres inattendues ». C'est une exposition du Fonds d'art contemporain Paris Collection. Nous sommes un établissement patrimonial de la ville de Paris avec une collection de 23 000 œuvres, dont 3 500 contemporaines. À bientôt.